Bonjour les amis, oui, c'est pas pour vous montrer Poppy qui est en train de faire ses petites roulades juste là où il faut pas qu'on va se parler aujourd'hui, mais simplement de la pâquerette qui repousse encore plus énormément en ce moment. Octobre, c'est encore le moment de la récolter pour faire, vous le savez quoi, vous vous en rappelez, j'espère. Si vous l'avez pas encore fait, c'est le moment de faire votre baume Arnica des pauvres. Alors pour l'avoir testé cette année, c'est génial. C'est un truc de malade. Donc vous voyez, il y a pas mal de pâquerettes là. Je vais récolter si Poppy laisse. On évite toujours quand même les chemins où il y a du passage. Hein? Bah pourquoi? Bah je vais vous montrer. Par exemple, pourquoi je ramasse pas là au milieu. Poppy passe dessus, voilà. Bah voilà, parce qu'il peut y avoir du caca, tiens. Tout simplement, du pipi, des trucs, bref. On évite. Donc, il faut continuer à récolter. C'est vraiment les dernières récoltes que l'on va avoir. Il reste encore aussi, ben voilà, par exemple ici, hein, l'amande sauvage. C'est incroyable parce que ça peut être odorant. Alors ça, ben, on peut très bien faire plein de choses avec. Je vous l'ai déjà un petit peu montré. L'année prochaine, on va se pencher peut-être un peu plus sur son cas. Parce que là, en automne, on en trouve partout. Il reste un petit peu aussi, là, l'origan, mais bon, il est un peu terminé. Mais pour les petites feuilles, ben, c'est pareil, hein, c'est bien. Bref, il y a encore des petits trésors à récolter, mis à part bien sûr les champignons pour ceux qui me suivent. Vous avez vu tous les dimanches en ce moment, là, ça fait 3 semaines qu'on trouve des cèpes et qu'on se régale. Bon, je récolte et je vous dis à bientôt. La recette, je vous la mets en lien en fin de vidéo. Que dire de plus sinon? Prenez soin de vous, prenez soin de la planète. Regardez, elle vous aide, elle en vous donnant tout ce qu'il faut, sans trucs chimiques. Merci la nature. N'oubliez pas de liker, de partager surtout, parce que plus on avancera ensemble, mieux ce sera pour nous tous, planète incluse bien sûr, et l'univers et tout. Ciao! Et les amis, je vous rappelle qu'on ne pille pas, qu'on ne prend jamais tout. Hein? Par exemple là, s'il y en a quatre, j'en prends deux. Et que vous pouvez me retrouver tous les dimanches, soir, quand j'ai le temps, mais généralement ça marche. Là pour la cueillette des champignons et puis toujours pour vous faire profiter de ces magnifiques paysages. Et cette fois-ci, ciao! Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour moi, bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt, François.